myself. Take me right back to the start. Eh bien, salut le peuple, les gens, c'est Colonel, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas ça va super. Et donc du coup, comme l'aurez vu sur le titre de la vidéo, nous allons construire une maison 7x7, moderne, en bois. Et oui les gens, comme l'aurez vu dans la cinématique, c'est bien vrai, j'ai réalisé une petite maison moderne de 7x7, hein, en comptant bien sûr avec le toit. Sinon en réalité elle fait 6x6 et avec l'intérieur une surface 4x4, donc une très petite maison. Moderne, spécialisée dans la survie, hein, principalement, hein, c'est dessus que j'ai travaillé, puisque vous voyez que j'utilise des matériaux assez simples à obtenir dans une survie, tels que vous voyez le bois de sapin, le bois de chêne, les trappes en bois, ça se fait facilement, les lanternes ça s'obtient très facilement, les vitres ça se fait avec du sable, c'est très simple, des matériaux vraiment simplistes à avoir en début de survie, donc pas de difficulté, donc j'ai utilisé les matériaux très simplistes pour une décoration extrêmement moderne, comme j'ai l'habitude de l'utiliser dans mes autres tutos de maison moderne, que d'ailleurs je vous invite à aller voir puisque je mettrai les liens dans la description et quelques fiches en haut à droite de l'écran durant cette vidéo. Donc on va passer à l'intérieur, clairement c'est le plus intéressant puisque comme vous l'aurez vu, il y a une surface de 4x4 et j'ai réussi à caler tous les éléments importants pour une survie. À savoir le four, l'armor stand pour mettre votre petite armure dessus, le jukebox si vous voulez vous mettre de la musique. Ici on a un coffre, hein, voyez, avec le tonneau. Là on a la table de forge, on a la meule, on a l'alambic, on a la table d'archer, on a la table de cartographie, on a l'établi que j'ai imprégné directement sur le sol. Nous avons le lit et la table d'enchantement. Après bien sûr j'ai mis quelques décorations, vous voyez, des petites étagères avec les trappes, j'ai mis un peu de peinture, là j'ai mis des volets à l'intérieur, vous voyez, comme ça on peut les déplier la journée, vous êtes réveillé, voilà, vous ouvrez les volets, vous avez, vous voyez, une grande surface au niveau de votre fenêtre, tandis que quand le soir arrive, si vous voulez réduire un peu la luminosité ici de votre fenêtre, tout simplement vous refermez les volets, les petites trappes ici, comme ça vous voyez, ça vous laisse un espacement un peu plus renforcé. Donc voilà, je pense que tout est dit. Donc en termes d'éclairage, bah vous voyez, c'est très simple, hein, une lanterne ici et une là en extérieur, vous voyez, juste là. Sur les côtés, donc comme là j'ai pas pu mettre de fenêtre, ça aurait été très moche de laisser un bois comme ceci, donc j'ai mis quelques détails tels que les trappes et les boutons, un peu de feuillage autour, tout ça, mais bon, ça je le ferai pas lors de la construction. Un toit assez moderne puisque vous voyez j'ai mis trois petites cheminées grâce à des pots à fleurs et bien évidemment j'ai mis les petites traînées avec la cheminée qui allumait avec les toiles tout simplement. Donc voilà les gens, j'espère qu'en tout cas ce bâtiment vous plaît. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fera extrêmement plaisir, nous allons le construire tout de suite. Donc les gens, je fais une petite ellipse et je vous dis à tout de suite. Donc voilà les gens, tous les éléments qu'il faudra pour construire la maison. Donc oui, ça fait extrêmement beaucoup. Mais principalement ce côté-ci, vous voyez, c'est tout ce que vous aurez besoin pour une survie. Donc vous voyez que c'est ça qui prend énormément de place. Sinon, faisait juste la construction de la maison standard. Vous voyez, il faudrait tout simplement ceci. Donc du coup, on va faire ça en trois parties. La partie où je vais construire le bâtiment en lui-même. La partie où je vais rajouter le détail à la maison. Et la partie où on installera tout ce qui est les matériaux pour votre survie. Donc du coup on va commencer avec le bois, donc il faudra les planches de sapin, une porte en sapin pour faire l'entrée, il faudra un bouton en sapin, les planches de chêne, les boutons en chêne, les trappes d'or en chêne, il faudra les planches de bouleau et les escaliers en bouleau. Donc du coup c'est parti, on peut construire la maison. Donc c'est parti les gens, on va construire la maison. Alors sérieusement c'est hyper simple.
Tout simplement, vous faites le muret sur 3 de hauteur. Vous l'étendez à 5 blocs. Donc là, ouais, on est à 5. Voilà. De l'autre côté, vous faites exactement la même chose. Donc là, on est à 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et ici, tout simplement, vous refaites la même chose, sauf que là, ça sera sur 7 blocs. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez que ça sera le muret en bois de sapin qui va dépasser le muret un peu plus clair, donc en bois de chêne. Vous voyez, comme ceci. Et donc une fois que c'est fait, on va passer sur le côté de la maison. Donc ce côté-ci. Et là, tout simplement, vous allez poser des boutons, mais un peu n'importe comment. Vous voyez, là je suis un peu au hasard, donc j'en mets 4 ou 5. N'en mettez pas trop, sinon ça fait moche. Et pareil pour les trappes en chêne. On les pose un peu n'importe où. Et vous voyez que ça fait une décoration assez stylée. Ça donne du relief, tout simplement, à votre mur. Tandis que si on laissait un mur, vous voyez, vierge comme ceci, ça ferait pas si beau. Tandis que là, vous voyez, il y a du détail et tout. Donc du coup, ça rend un très bon effet. Donc le milieu là, vous le cassez. Là ici, vous mettez un escalier en bouleau. Faites attention ici, il faut bien remplacer ces blocs-là. On a tendance à toujours les oublier. Voilà. Ce que vous faites, c'est que ici, vous décalez de un bloc par rapport à la future fenêtre qui va se poser après. Et là, tout simplement, vous montez les trappes d'or en chaîne comme ceci, de chaque côté. Voilà. Ce morceau-là, vous le cassez parce qu'il y aura aussi une fenêtre. Vous mettez la planche en bouleau et là, vous remplacez les blocs qui sont en dessous. Voilà. Ici, on refait la même chose avec les trappes en chaîne. Devant, là, on aura la porte. Là, vous refaites la même chose avec les trappes en chaîne. Ici, vous mettez deux boutons de sapin. Et que je dis pas de bêtises, de l'autre côté, il y en a aussi. Voilà, juste ici, deux boutons là et deux là. De l'intérieur, je mets la porte. Voilà. Et non, je pense que je vais même... Voilà, à l'intérieur, vous allez remplacer directement l'herbe par les planches de bouleau. Donc, vous voyez qu'il y a bien une surface 4 sur 4. Donc très petite maison et pourtant j'arrive à poser tous les éléments comme vous l'avez vu dans la cinématique. Donc du coup là je vais aller chercher les autres matériaux et on passe à la suite. Donc ce qu'il me faudra, ce sera les pots pour faire tout simplement les cheminées de la maison, l'étoile pour faire la traînée de fumée, les lanternes et on va prendre les vitres standard. Donc forcément les vitres je vais les poser ici et ici puisque là on a prévu. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons installer notre toit. Donc, vous remontez le muret comme ceci et tout simplement vous reliez pour faire tout simplement un carré. Donc, pour pas vous tromper, normalement, vous voyez que ici, ça doit se renfoncer de un bloc, le mur là par rapport à votre toit. Donc là, tout simplement, on remplit le tout. Pas de compliqué. Ce que vous allez faire, c'est que vous mettez une lanterne ici, à la pointe de votre maison. Et pareil, à l'intérieur, on va en mettre une ici. Voilà, et ça suffit largement pour éclairer l'extérieur de la maison et l'intérieur. Donc là, maintenant, on va faire le toit. Donc, vous avez un bloc ici, donc le pic de cette maison-là. Vous voyez, par rapport à ici. Vous mettez là et vous faites une diagonale de un bloc. Et hop, vous posez tout simplement votre premier pot. Et là, vous en rajoutez deux ici. Maintenant, on va faire la traînée. Donc, comme c'est des petites cheminées, vous voyez bien que j'ai utilisé des pots. D'habitude, j'utilise pas des pots, mais là, c'est très petit. Donc, du coup, il faudra pas exagérer sur la fumée. Donc, normalement, pour que ça soit réaliste, je devrais mettre la fumée comme ceci. Vous voyez, sur trois blocs, puisqu'il y a trois cheminées actives. Mais comme elles sont vraiment petites, il faudrait que j'en fasse que sur une. Donc là, j'ai monté d'à peu près trois blocs, vous voyez. Et donc là, je vais faire une petite traînée. Donc, je choisis la direction où est-ce que je veux le mener. Par exemple, je vais le mener vers là-bas, sur une diagonale. Donc là, tout simplement, je monte ma traînée. Comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser quelques blocs. Pour que ça soit une fumée pas trop, on va dire, imposante. Donc là, j'en casse quelques-uns, vous voyez.
pas beaucoup, mais quelques-uns quand même. Et donc là, vous voyez qu'on a une traînée assez fluide et très réaliste. Et donc, vous l'aurez compris, maintenant il reste la dernière étape à réaliser, à savoir poser tous les éléments qui vous seront utiles pour votre survie dans la maison, ainsi que la décoration. Donc pour ça, je réserve du lourd. Il faudra un jukebox, un four, peu importe lequel, hein, vous pouvez aussi prendre le fumoir et le four à minerai. Il faudra de la peinture. Il faudra donc l'armor stand. Il faudra un cadre, une meule, une table d'archerie, une table de cartographie, la bibliothèque, un tonneau pour vos rangements. Donc là, je commence à ranger parce que ça fait beaucoup. Il faudra un lit gris ou sinon la couleur que vous souhaitez, hein, mais juste pour le moderne, je vais mettre du gris. Table de forge, il faudra l'alambic, l'établi, la table d'enchantement et un pupitre. Et ça, j'en reparlerai juste après parce que je ne l'ai pas montré pourquoi je prends le pupitre, parce que vous ne l'avez pas vu dans la maison, mais j'en reparle juste après. Donc c'est parti, on va aménager tout ça dans notre maison. Donc ici, vous cassez ce bloc et vous posez l'établi pour commencer. Donc ça, c'est déjà réglé. Ensuite, on va prendre le four, on va le mettre là. Je vais prendre mon armor stand, le poser ici. Donc ça sera l'armor stand qui permettra de poser tout simplement votre armure que vous utilisez en survie. C'est pour ça que je ne l'ai pas décoré. Bon, après, j'aurais pu mettre une décoration comme ça. Mais c'est pour bien montrer que là, ici, ça sera votre armure de survie, tout simplement. Et donc, à quoi sert le pupitre? Puisque vous l'avez peut-être pas vu, peut-être dans la cinématique, vous l'avez vu. Ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez discret, très subtil, mais franchement très efficace. Pourquoi? Parce que là, ici, je vais mettre un cadre. Et là, vous mettez votre pupitre et vous le retournez. Tout simplement, vous le mettez à l'envers. Et regardez, si je me mets là, vous allez tout de suite comprendre. Tout simplement, c'est un porte-clés. Et oui, vous pouvez poser vos clés sur ce petit bloc en bois. Donc, c'est extrêmement réaliste, hein. Il fallait vraiment y penser. Mais croyez-moi, dans une maison, ça rend hyper moderne. Et là, vraiment, c'est la petite touche qui fait extrêmement plaisir grâce à un pupitre. Vous voyez, ça monte comme ça. Là, on a le petit détail d'architecture. Et là, ici, vous pouvez tout simplement poser vos clés sur la planche de bois située ici. Tout simplement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez... La table d'enchantement, vous allez la mettre ici. Votre lit, vous le mettez là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le jukebox, le poser ici. Ensuite, les bibliothèques et table de cartographie, je vais prendre. Donc la table de carto, elle va ici. Et les bibliothèques, elles vont là. Donc vous en mettez deux. Et donc là, vous comprenez que ici, j'ai plus de place. Là, je me dis, ah là là, misère, comment je vais poser le reste? Et c'est de là que j'ai pensé justement utiliser l'espacement en haut. Vous voyez que là, ça fait un vide en haut. Donc du coup, il y avait moyen de caser des choses. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de mettre des petites planches en bois grâce aux trapdoors en chêne pour pouvoir rajouter des matériaux au-dessus et ici. Donc là, j'ai décidé de mettre le tonneau pour vos rangements. Et donc là, on va mettre la table d'archerie, l'alambic, la table de forge et la meule. Voilà. Donc là, vous les mettez dans l'ordre que vous souhaitez, hein, ça n'a aucune importance. Pour présenter ce tuto, j'ai mis la table d'archerie ici, j'ai mis l'alambic juste au-dessus des bibliothèques, j'ai mis la meule comme ceci, donc accrochée au mur. Ou sinon, vous pouvez la mettre carrément accrochée au plafond. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez le design de votre maison. Et là, au fond, j'ai mis la table de forge. Voilà. Et donc, c'est presque fini, puisque là, j'ai rajouté un petit détail qui, franchement, tout comme le porte-clés, fait le charme de la maison. Ce serait de mettre des volets à l'intérieur. Et pour ça, vous mettez une trappe en chêne ici, ici. Là, vous pouvez fermer. Et vous en mettez une aussi sur le plafond. Et une là. Et il reste le petit détail pour la fin. Donc, pour ça, je vous invite à reprendre un bloc. Vous en mettez un ici, un là, un là. Et là, vous mettez, hop, une petite peinture, histoire de donner un peu de couleur à votre maison. Et donc là, vous pouvez voir que votre maison moderne 7 sur 7 est maintenant terminée. Et donc voilà les gens, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voici une maison moderne qui n'est pas grande du tout, comme vous pouvez le voir, qui utilise des matériaux très simples à obtenir dans un début de survie. Je dirais c'est vraiment au tout début de la survie. Vous pouvez facilement vous procurer ces matériaux, vous voyez, du sable, de l'argile, du bois, c'est très simple à obtenir, un petit peu de fer pour construire une maison extrêmement moderne et pouvoir caser tout simplement tous vos éléments utiles pour une survie, comme vous pouvez le voir ici.
Donc voilà, j'espère vraiment que cette maison vous aura plu, que vous la reproduirez sur vos serveurs survie. En tout cas, moi ça m'aurait fait plaisir de vous présenter ce petit tuto, donc une maison très rapide à construire, très moderne, très simple, très efficace et surtout très compacte avec le stockage de tous ces éléments. Donc je vous invite à lâcher sur cette vidéo un like, ça fera extrêmement plaisir. Je pense qu'on va se mettre un objectif 30 likes, donc n'hésitez surtout pas à liker, à exploser la barre tout simplement des pouces bleus. Je veux la voir éclater, comme on dit. N'hésitez surtout pas aussi à commenter pour donner votre avis sur cette vidéo, à dire ce que vous en pensez, est-ce que vous comptez la reproduire dans votre survie. Et n'hésitez surtout pas aussi à me proposer d'autres défis ou d'autres tutos que je pourrais réaliser pour vous aider. N'hésitez surtout pas aussi à partager à vos amis, à votre famille et sur les réseaux sociaux ma chaîne et ma vidéo pour pouvoir me faire un peu connaître. Et très important, moi aussi j'ai des réseaux, donc n'hésitez surtout pas à checker la description, vous aurez tout ce que vous souhaitez. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner comme vous le voyez à l'écran et d'activer la cloche des notifications pour pouvoir suivre mes aventures sur la chaîne. Et sur ce, les gens, c'était Colin Gaming et je vous dis ciao ciao.